Chère population de la Confédération des États du Sahel, le chemin parcouru est encourageant. Les succès enregistrés dans le domaine de la défense et de la sécurité sont indéniables et ont permis d'élargir notre coopération à d'autres secteurs clés. Nous travaillons désormais à renforcer notre intégration économique et sociale en favorisant la libre circulation des biens, des services et des personnes. Nos économies sont complémentaires, mais elles font face à des défis. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative de mutualiser nos efforts dans des domaines stratégiques tels que les investissements, la fiscalité et l'exploitation des ressources naturelles. La création d'une banque d'investissement et d'un fonds de stabilisation est en cours et nous nous attellerons à mettre en place les infrastructures pour renforcer la connectivité de nos territoires à travers les moyens de transport, les réseaux de communication et les technologies de l'information. Dans les jours qui suivent, il sera mis en circulation un nouveau passeport biométrique de l'AIS dans le but d'harmoniser les documents de voyage dans notre espace commun et de faciliter la mobilité de nos citoyens à travers le monde. Des projets culturels, sportifs et éducatifs sont également en cours pour renforcer l'unité de nos peuples. La création d'une chaîne d'information commune est également prévue afin de promouvoir une diffusion harmonieuse des informations dans nos trois États.